性、力、この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を…Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Radia Pika. Aujourd'hui, on va s'ouvrir le booster One Piece. One Piece, introuvable en France. Personne ne l'a pris. C'est hallucinant, quoi. C'est une vendeuse sur Vinted qui me l'a vendu, hein. Donc, ben, je vais vous montrer ce booster. Voilà. Il n'y en a qu'une seule, hein. Parce qu'elle en vendait plusieurs, mais c'est les mêmes. Je ne vais pas prendre les 5 qu'elle avait pour avoir les mêmes images. Mais si cette vidéo vous a plu, j'irai chercher directement des displays. Enfin, j'irai chercher. J'achèterai sur Internet des displays pour en ouvrir avec vous. Et même si ça ne vous plaît pas, réellement, je me ferai un pur kiff d'ouvrir des displays pour mon pur plaisir en vidéo. Voilà. Espérons qu'un jour, elle sorte en français. Espérons. Petit message à Bandai, s'il te plaît. Allez, on y va. Je suis impatiente de l'ouvrir, ça fait où là? Bah non, je viens de le recevoir en fait. Ah ouais. Ouf. Hop là. Attendez, j'ai oublié. Ouh. Allez, on y va. Hop là, si je mets à l'envers, je vais pas aller loin. Alors ça c'est... Oh, c'est mignon, regardez-moi ça. C'est écrit en japonais, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est une explication pour savoir comment jouer. Mais bon, je suis une collectionneuse, moi, je ne joue pas. Hop. Oh, regardez-moi le dos. Magnifique. Splendide. Allez. Hop, on commence avec... Oh, mais dis donc, ça brille. Ouah, j'adore le... J'adore l'effet, et vous voyez, ça brille. Oh, c'est splendide. Oh, je suis choquée. Je suis choquée. Je pensais que ça allait être des cartes simples, mais ça brille. Allez, on y va avec Sanji Vinsmoke. Toujours avec sa cigarette. Il ne se bat jamais avec les mains, mais toujours avec le pied. Pourquoi? Parce qu'un cuisinier n'utilise pas ses mains pour se battre. Mais très fort. Hop. Nami. Nami. Toujours, j'adore cet effet. Nami. Nami, une voleuse. Ah, oh, bah, c'est dans les premiers épisodes, c'est vrai que c'était une voleuse. Elle adore voler. Elle adore les trésors. Elle adore les sous. Oh. Qui n'aimerait pas ça? Allez, on y va avec Réfléchissez. Brook, le chanteur. Brook, le chanteur. Un homme transformé en squelette qui ne meurt jamais. Peut tout le faire, il meurt pas. Ouais. Ah mais j'adore les cartes, elles sont très, très épaisses. Allez, Usopp. Directement, le mec qui ment le tous les jours, qui raconte une aventure qui n'est pas le sien. J'adore. J'adore les illustrations. Elles sont magnifiques. Ok. Oh là là. Ah là là. Chopper. Là, j'aime bien ce qu'il nous montre en effet grand, hein. Mais logiquement, c'est une petite nounours, hein, limite. Tony, Chopper. Ok, je crois qu'il doit boire quelque chose, ou un truc dangereux pour avoir ce genre de pouvoir. Mais j'adore ses effets brillants. Oh. Il m'a fallu que j'ai un pansement aujourd'hui et ça ne met pas en valeur One Piece. Oh là là. Oh, j'adore les effets là. Là on est avec Franky. Plus le temps passe et plus il va se transformer en robot ce mec. Bah, déjà il a un nez en robot, hein, je sais. Après, avec les autres épisodes arrivés dans les autres saisons, il a presque tout transformé. Oh, Zoro! Roro Noah Zoro. Bah, tout premier épisode. J'adore quand il était attaché à un poteau et que tu as Luffy qui arrive et... et qui commence à dire... Tu veux faire partie de mon équipe? Si je te trouve tes épées, tu fais partie de mon équipe? Non. J'apprécie. Magnifique.
Ce qui est bien avec ce booster-là, vous voyez, il y en a 12. Hein. C'est bien 12. Eh bien, vous avez les 12 illustrations. Il n'y aura pas à acheter des boosters et des boosters et des boosters pour faire une collection. Après, ils ont fait d'autres cartes. Hein. D'autres cartes. C'est pour ça que je voudrais bien avoir des displays avec des nouvelles collections. Allez, on est avec Nico Robin. Surnom Robin. Magnifique. Splendide. Elle n'arrive pas tout de suite, elle n'arrive pas au début. Hein. Des épisodes de One Piece. Magnifique. Enfin! Mon Kid Luffy! Waouh! C'est mon personnage préféré là-dedans. Je kiffe Luffy. Oh là là! Sa personnalité, il est drôle et toujours gay. Et quand il faut être sérieux, il l'est. Quand il y a un baston, alors là, il dit jamais non. Enfin, baston, non. Il n'aime pas non plus se battre pour un rien. Mais oui, si c'est pour défendre ses amis ou ses opinions, il y va. Hein. Et surtout, j'adore. Plus le temps passe et plus il prend le pouvoir. Je kiffe. Quand même, quand je suis à cet épisode où en fait, il a le pouvoir des rois. Oh ben voilà. Le Fio. Oh mais non, mais ça c'est le point. J'ai oublié le nom. Parce que je sais qu'il prononce un nom à chaque fois qu'il le lance. Mais ouais, c'est une de ses pouvoirs. J'adore. Et quand on voit au bout d'un moment qu'il a le pouvoir du roi, quand ça devient noir et tout, il fait pareil. Ouh, ça devient élastique et avec une puissance en ferraille. Trop bien. Trop bien. Je kiffe. Magnifique illustration. En plus, on voit les effets. Très que c'est, ça va me taper. Pas gentil. Ah, mais j'adore. J'adore. Vous voyez? Oh là 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 là. Je comprends pas pourquoi les bords sont noirs, mais magnifique. Ah, mais il n'y a pas de. Là, on est à 8000 de puissance. Là, ça va être un genre de illimité. Peut-être un genre de défense. Je sais pas lire japonais, donc c'est un peu compliqué pour moi de savoir. Et là, oh là, c'est magnifique. Hein. Toute l'équipe réunie. J'ai mis ma main devant. Waouh! Toute l'équipe est réunie. Waouh! Franky, Sanji, Zoro, Luffy, Nami, Robin, alors Brook, Usopp et Chopper. Je crois que j'ai rien oublié. Ah, c'est magnifique. Vous voyez les effets? Et j'espère réellement que ça vous plaît. Hein. Parce que j'aimerais vraiment partager cette passion. Parce que One Piece, One Piece, c'est quand même l'une des animes actuelles. Enfin, l'une des meilleures animes actuelles. C'est pas rien, quoi. Il est à quoi, je crois, on est plus de 800 épisodes. Hein. Et ça continue. Mais je sais qu'il y a une finale, mais pas avant, je crois. On nous a dit en France, on a encore le temps. Ils ont dû encore 6 ans, au moins, avant d'arriver à la fin. Mais oh, j'adore, en plus ce bateau, il est magnifique. Oh, si on pouvait tous l'avoir. Oh, moi, j'adorerais être dans ce bateau. Et vous savez que ce bateau, il est vivant. On dirait pas. Enfin, non, je sais pas pourquoi, mais au bout d'un moment, on le voit, il réagit. Après, c'est un dessin animé, hein. On a remarqué souvent les objets réagissent à quelque chose et en fait c'est pas animé. Mais je sais que ce bateau a des pouvoirs. Au bout d'un moment on le remarque. Pas tout de suite, jamais au début. C'est quand ils en ont vraiment besoin. Mais waouh! Ah oui, quand même, c'était en 2010 hein, celle-là. Elle est sortie. Magnifique illustration. Voilà. Bon, bah alors dites-moi en commentaire si cette petite vidéo vous a plu. Enfin, petite, il fait quand même 10 minutes. Hein. Et si ça vous plairait de voir d'autres ouvertures. Mais comme j'ai dit, même si ça ne vous plaît pas, je m'en fous, j'en ferai d'autres. Voilà. Et j'espère réellement qu'il sortira en France. Et peut-être que j'espère vous avoir donné l'envie de commencer une collection comme celle-ci. Parce que même en japonais, réellement, ça vaut le coup. Regardez-moi la qualité des cartes. Hein, voyez ? J'ai pas trop appuyé, mais voyez ? Oh là là ! Magnifique, j'adore, ils savent faire les choses, hein, les japonais. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous à ceux qui ne sont pas abonnés. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.